En revanche, du côté du Sporting de Charleroi, qui est désavantagé ce soir en Nordique parce qu'il n'y a pas de neige sur le terrain. Ah ouais, non, mais quand on est habitué à jouer sur la neige. Entre Japonais, on se fait des politesses. Oh, elle est belle. Et il est de l'autre côté aussi. Il doit frapper là, direct. Boum. Allez, ça y va. Et ça met au fond. Un ballon qui a été dévié pour mettre Espi. Et là, pour l'instant, on s'en tient bien. Hop là. Et pour mettre sa tête là. Pour mettre sa tête sur Nouachou. Ouais. Et là, il n'y avait personne pour mettre son pied. Avec Hucklerhout, ça s'approche de plus en plus, hein, et de plus en plus près, ah, avec Ito maintenant, eh ben oui, c'est de plus en plus près, et on le sentait venir ce but, franchement. Il faut centrer, hein, parce qu'il va siffler. Oui, vite, il faut y aller vite, tout de suite, ou frapper, voilà. Oh, elle est belle, oh, elle est belle. Quel but de Golizade, franchement, à 12 secondes près, parce que je peux vous assurer que Bram van der Rijch, juste avant que Golizade le frappe, il regarde son chrono. Bon, allez, je laisse encore, bam, goal, 2-2, ouf, c'est bien, franchement, et voilà, je disais, Charleroi a des qualités pour revenir, je pensais pas forcément à celle-là, mais elle en fait partie. Oh, bien joué, magnifique Morioka. Il y a quand même des meilleures séquences de possession de balle, hein, avec Bessilet. Oh, c'est but. Oh, hélas, non plus. Quelle frappe de Bessilet. Et la troisième, ah, elle était à la voilà. Ouf, ça a chauffé les fesses d'Ainen là. Pose un problème à le positionnement, ouais, de Rozovski là. Parce que d'habitude, il a une bonne frappe. Oh non. Il a une bonne frappe et il a glissé. Il a glissé, c'est pour ça que j'y non. Et on le connaît, notre Jamaïcain là-bas, hein, il a quand même son caractère. Torjvet. Oh, bien, oh, bien fait, magnifique. Bien fait. Splendide. Ah ouais, non, là. On va avoir dans quelques minutes les réactions. Voilà, c'est terminé. Les réactions. Le cri de victoire, hein, de satisfaction, de soulagement pour Torjvet.